Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Les musulmans refusent de croire que Jésus-Christ ait été crucifié. Mais alors se pose pour eux une question. Si Jésus-Christ n'a pas été crucifié, en contradiction d'ailleurs avec ce que l'annoncent les Écritures saintes juives elles-mêmes, par exemple dans le livre d'Isaïe, au chapitre 50, versets 4 à 9, ou bien au chapitre 52, versets 13 à 53, verset 12, ou bien dans le livre de Zacharie, au chapitre 12, verset 10, au chapitre 13, verset 1, etc. Si Jésus-Christ n'a pas été crucifié, comment expliquer que les apôtres et les premiers chrétiens qui avaient connu Jésus et eux accepté d'être crucifiés par amour de Jésus. Comment ces hommes et ces femmes auraient-ils pu, et pendant 3 siècles, et encore jusqu'à aujourd'hui, donner leur vie si Jésus-Christ lui-même n'avait pas demandé, comme on peut le lire dans l'évangile de saint Marc, au chapitre 8, verset 34, de prendre sa croix chaque jour. Si quelqu'un veut être mon disciple, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un cherche à sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Si Jésus-Christ n'a pas été crucifié, comment ces hommes et ces femmes, ces enfants, ces vieillards qui avaient connu Jésus, auraient-ils pu se dire les disciples d'un maître qui n'aurait pas lui-même donné l'exemple en une matière si grave?